Howl's Moving Castle. D'ailleurs, tout ça, c'est né parce que j'ai voulu aller au cinéma. Plus on est jeune et plus on est stressé quand on doit enregistrer son disque le lendemain. Surtout que, quand, comme moi, on a fait des premiers disques qui ont marché très fort, on est vraiment attendu au tournant. Il faut dire que aujourd'hui, ça va, ça se tasse un petit peu, parce qu'en plus, bon. Mais en ces temps-là, la critique du jazz était particulièrement acariâtre. Il y avait une haine du jeune, mais un truc. Et du coup, forcément, il y avait quand même une petite angoisse quand même. À chaque fois que tu rentres en studio et que tu sais qu'après, les louilles, voilà, ils vont se lâcher là-dessus. Et du coup, je suis allé au cinéma. Voilà, je me suis dit, tiens, demain j'enregistre, je vais au cinéma, je suis allé voir Howl's Moving Castle, qui s'appelle en français Le Château Ambulant. Et il y a cette mélodie incroyable dans Le Château Ambulant que j'ai tellement aimé écrire. Fais ça. Un peu un morceau pour cet album. Je trouvais que c'était pas super équilibré le truc. Hein. Je dis, tiens, si j'ai le temps, je le joue. Et je l'ai fait. Du coup, je l'ai enregistré avec Gilles Laboclé et Bumontin sur ce truc. Et au fait, c'était sympa parce que j'étais fortement critiqué, bien sûr, du côté de la critique spécialisée. Mais d'un autre côté, ça m'a permis d'être dans le top 3 en Corée du Sud. Mais toute musique confondue. Genre, j'imagine que demain, tu enregistres ça avec ton trio de jazz et tu te retrouves entre Johnny Hallyday et Dua Lipa. Ou vice versa. Et du coup, bah, à partir de là, j'ai commencé à coller des tournées en Corée du Sud à mes tournées japonaises. Mais le morceau est super beau. Et la grille est très intéressante. Parce que, justement, il y a cet accord mineur. Parce qu'on s'attendrait à ce que ce soit un accord majeur. La cadence, là. Thank you.
cas, ça se prête très bien à l'improvisation, en fait. Mais sur le disque, donc, qui n'est pas sorti ici, et dont je vous parle que pour vous faire envie, il y a pas mal de mélodies un peu... Comment dire ? Un peu outsider, c'est-à-dire que bon, dans une musique de film, on a les mélodies que tout le monde connaît, c'est là ou alors celle du château du château dans le ciel. Etc. Donc ça c'est un peu les tubes, mais en fait à l'intérieur des films, il y a aussi des mélodies et autres qui sont moins médiatisées. Et au fait, j'avais fait une jolie recherche et il y a des merveilles. Et là, je ne peux pas trop les jouer parce qu'encore une fois, je préfère éviter de jouer mal. Mais il faut s'en souvenir, hein, je veux dire, c'est un répertoire, c'est compliqué. Ça a l'air simple. C'est notre métier, c'est de rendre, de donner l'impression de grande facilité, mais en fait, on fait des trucs qui sont un peu compliqués. Donc, 2 minutes de préparation, c'est bien. Ne serait-ce que par respect du maître qui les a écrits. Mais en tout cas, il y a des vrais chefs-d'œuvre à l'intérieur de ces machins-là. Et si à tout hasard vous trouvez, même pour écouter. Parce que, à mon avis, ça doit être quand même sur les plateformes d'une façon ou d'une autre, ça s'appelle Meet and Recording. Il y a des trucs sympas. Franchement, il y a des très belles mélodies. C'est de la très belle musique. À la composition, je vais dire. C'est super beau. Nous avons beaucoup parlé de Studio Ghibli. Merci. Est-ce que vous avez des questions à me poser en dehors du monde de l'animé japonais ? Peut-être. Quant à des tas de sujets qui ont à voir avec le piano. Sur la pochette, le dessin de la pochette du disque. Mon dernier album. Ce soir, oui. Les personnages qui sont représentés, c'est sont nous. Censés être vous. C'est nous. Au fait, d'ailleurs. C'est le quartet qu'il y a ce soir. C'est le quartet qu'il y a ce soir au complet. Parce que parfois, dans le jazz, comme c'est une musique de soliste et chacun a sa vie à vivre, artistique, je dis. Du coup, parfois, on est obligé de remplacer des gens. Par exemple, le dernier concert qu'on a fait avec ce groupe, c'était Sophie Allour au saxophone. Je le dis parce qu'il était là hier. Mais. j'ai bon goût. Mais. Pour le coup, ça n'a un peu rien à voir et tout à voir. C'est-à-dire que. Le disque de Swan and the Storm parle de la guerre en Ukraine. De la façon dont je l'ai vécu moi. C'est-à-dire assez extérieur, mais quand même un peu. Et la pochette, je l'ai faite faire par un maître manga parce que j'ai eu l'occasion de la voir et puis parce que j'aimais l'idée. J'ai la chance d'être mon propre producteur. Je trouvais ça assez marrant de pouvoir d'abord faire cette pochette avec nous. Bon, c'est vrai que c'est un fantasme que j'ai que depuis que j'ai 8 ans, d'être représenté avec une tranche d'animé, quoi, je veux dire. Voilà, des fois, on a ces loups qui viennent de loin. Mais en plus, je trouvais que ça se prêtait le titre, et du coup, j'ai dit à ce monsieur, tu veux pas me faire la pochette? Et le gars, il a fait cette pochette que je trouve très, très belle. Et ce qui est génial, c'est qu'il nous a jamais rencontrés. Donc il a dû aller regarder sur Internet, je ne sais pas ce qu'il a fait, parce que ce qui est impressionnant, c'est que nos 4 personnages, c'est vraiment nous. Mais même, il y a Guillaume Perret qui marche, et il a exactement la même démarche que Guillaume Perret. Et le gars, il n'a jamais vu marcher Guillaume Perret. Il y a au demeurant, je vous invite à le regarder, même s'il va se sentir un peu observé. Il a quand même une démarche un peu spécifique, un peu en avant, qui est vraiment la sienne, et c'est vraiment ça sur la pochette. Mais l'histoire est la suivante. Je vous raconte cette histoire et puis après on arrête là. Il se trouve que je suis allé jouer dans le festival de jazz d'Odessa en 2018, je crois. 2018, je crois.
Et j'y ai connu l'une des bénévoles du festival qui s'appelle Dasha Robenskaya et qui est une athlète d'ailleurs qui fait de la barre verticale, fait un truc. Elle était dans une équipe olympique, je crois, d'Ukraine, tout en étant russe. Et on est resté en contact, on s'est beaucoup parlé pendant le confinement, parce que j'ai fait un projet qui l'intéressait, puis bon, parce qu'on s'entendait bien. Finalement, elle me parlait beaucoup les quelques jours avant de la guerre, et j'ai entendu tomber des bombes au téléphone. Et du coup, je lui ai trouvé un dispositif du ministère de la Culture pour qu'elle soit prise en charge en France. Je suis allé la chercher en Moldavie avec son fils de 9 ans à l'époque, qui était, parce qu'elle, elle était russe, mais elle habitait en Ukraine, donc il fallait qu'elle parte. Et son fils était ukrainien, donc il ne pouvait pas retourner en Russie. C'est con. Et donc, avec une petite valise, elle s'est barrée en France, d'ailleurs de la région, dans un centre à peu près d'Angoulême. Et du coup, elle a été prise en charge en France. Et au fait, The Swan, c'est elle. Parce que quand elle fait la barre verticale, on dirait qu'elle vole. Et avant tout ça, elle m'avait demandé de faire la musique pour le numéro qu'ils étaient censés faire pour les éliminatoires des Jeux Olympiques. Et donc une musique de 2 minutes 30 pour leur truc que moi j'avais fait, et je l'avais appelé Dash I Can Fly, parce que quand on les voit faire, c'est impressionnant, on dirait qu'ils ont des ailes, et ça veut dire Dasha peut voler. Et du coup, The Swan c'est elle, et The Storm c'est la guerre. Après ça se prêtait assez bien aussi au groupe, puisque The Swan c'est moi, et The Storm c'est évidemment Guillaume Perret, qui normalement est bardé d'électronique et qui fait des trucs totalement hard rock, et avec moi il fait The Storm. Mais enfin l'histoire derrière est différente, et c'est pour ça que le disque s'appelle comme ça. Et j'aimais bien l'idée de mettre signe dessiné sur la pochette. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez vu ce disque qui n'est pas là non plus. Et en plus, le pire, c'est que j'en ai pas. Parce que je suis en rupture de stock. Ce qui en sait plutôt bien. Mais si vous l'ouvrez, il y a un signe. Et sur les. Voilà. Et c'est un disque qui a été dédié à la ville de Dessa. Donc voilà. Donc, merci beaucoup. J'espère avoir.